Les Australiens désignent samedi leurs députés et leurs sénateurs. À droite, c'est l'actuel Premier ministre libéral qui fait campagne pour sa succession. Multimillionnaire, Malcolm Turnbull, 61 ans, espère bien légitimer son poste. En septembre dernier, il avait réussi à mettre en minorité l'ex-Premier ministre Tony Abbott. À gauche, il faudra compter avec l'ancien syndicaliste Bill Shorten, 49 ans, qui vise lui aussi le sommet du pouvoir et les résultats pourraient être serrés. La semaine dernière, la campagne électorale s'est brutalement réveillée après le vote des Britanniques en faveur du Brexit. Un véritable choc pour les Australiens. En cette période de grande incertitude, les électeurs pourraient bien opter pour la stabilité en faveur du Premier ministre sortant. Vendredi, les Australiens résidant en Antarctique ont déjà voté. Dans un igloo spécialement aménagé en bureau de vote, 27 électeurs ont rempli leur devoir électoral par moins 20 degrés. En Australie, le vote est obligatoire.